Depuis 1993, près de 400 femmes ont été assassinées et 500 ont disparu à Ciudad Juárez. Progressivement, ces assassinats violents de femmes se sont étendus à tout le pays. Au Mexique, nous appelons ça des féminicidios. Pensamos el otro día ¿Qué? Que a lo mejor habría que explicar lo de las cruces. Ah, bueno, sí, claro. Porque se puede ver así como medio. Pues sí, rosa, de todas formas. O sea, incluso el color rosa no suena muy bien. Porque el color feminista es, pues, morado. Y rosa hace como un poco largo. Sí, igual hay que decirles que nos vemos a las 5. Pero a las 5 habíamos dicho, ¿no? Sí. Ah, yo pensé que 5 y media. No, dijimos 5. De todas formas, la marcha no va a empezar antes de las 6:30 porque van a interpelar a los medios, las mujeres de la marcha oficial. Sí. ¿Y no, se acuerdan lo que les decía ese día? O sea, que nos ponemos unas calles adelante con la manta y las velas. Y pues ya cuando llegue el contingente grande, adelante vienen todos los fotógrafos, además. Cualquier lugar, enfrente si quieren. Enfrente si quieren, o enfrente. Es que van a avanzar. Yo creo que esa parada. Hasta ahí ya no nos van a dejar. En la parada de autobús, nos vamos ahí. Estamos en la ilegalidad total. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Pero por qué no podemos ir por aquí? Je suis une femme. Je travaille dans une maquiladora du nord du Mexique, dans un bar ou dans l'économie informelle. Je suis étudiante. Je suis une mère et une fille, une sœur et une amie. J'ai été enlevée, maintenue captive et soumise à une violence sexuelle féroce avant d'être mutilée, assassinée et abandonnée dans un terrain vague. À mes côtés, sous la terre, il y a beaucoup d'autres jeunes femmes pauvres comme moi. Parfois, mes restes sont retrouvés au bout de quelques jours par des passants. Parfois, cela prend plusieurs années. Mais surtout, il arrive qu'on ne me retrouve jamais, et ma famille et mes proches vivent alors dans l'angoisse permanente, ignorant où je suis, si je suis vivante ou morte. Ma famille est parvenue à transformer sa douleur en force. En plus de mon assassinat brutal, elle est confrontée quotidiennement à l'incompétence, la corruption, l'indifférence, la brutalité des forces de l'ordre et des responsables politiques. Ma famille espère et exige que justice soit rendue pour ma disparition et ma mort prématurée. C'est seulement ainsi qu'ils pourront recommencer à vivre. Assassinés, violés, mutilés, nous ne voulons plus de cette impunité. Assassinés, violés, mutilés, nous ne voulons plus de cette impunité. Alto la impunidad, ni una asesinada más. Alto la impunidad, ni una asesinada más. Hagan una cosa en francés, ¿no? Para que sepan qué diablos decimos. O sea, ahí sí yo no. No, de plus. Alta la impunidad, pas un asesinato de plus. Alta la impunidad, pas un asesinato de plus. Le climat de violence et d'impunité continue d'augmenter. Et jusqu'à présent, aucune mesure concrète n'a été prise pour en finir. Le féminicide est un problème d'intérêt mondial, une question de lèse-humanité, surtout quand il est le produit du crime organisé international et qu'il implique des autorités gouvernementales. Les familles de jeunes femmes assassinées continuent à marcher, ensemble et dans la douleur partagée. Votre compagnie nous donne de la force.